pas mal d'entre vous se sont lâchés sur les derniers commentaires que je n'accepte pas et que je n'accepterai plus. Clairement, vous savez que je suis vraiment quelqu'un qui adore le sport. Et vraiment, maintenant, par rapport au régime protéiné que j'ai suivi, c'est vrai que j'ai perdu du poids. Voilà, maintenant, j'ai maintenance. Océane, très amaigrie, l'inquiétude grandit. Rien ne va plus pour Océane, qui a décidé de rétablir toute la vérité au sujet de son impressionnante transformation à travers cette vidéo qui fait beaucoup parler d'elle. Depuis plusieurs jours, celle qui a été révélée en 2017 dans la saison 1 des Princes de l'Amour ne cesse d'inquiéter ses fans. Alors qu'elle est récemment apparue très amincie sur plusieurs de ses publications Instagram, la jeune femme a en effet reçu énormément de critiques liées à son apparence physique. J'espère que c'est retouché, parce que là, ça va pas du tout. Mange un peu, non? Pour ton bien, et surtout ta santé. Arrête de maigrir et de s'afficher sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un exemple pour les jeunes filles qui te suivent. Tu as l'air très amaigrie, Bichette. Fais attention à toi quand même. Visiblement très remontée contre ses commentaires, elle a finalement décidé de prendre la parole pour répondre à ses détracteurs, tout en dévoilant les raisons de sa métamorphose. J'ai également fait un régime suivi par un nutritionniste hyper protéiné. Donc j'ai beaucoup perdu de poids, je vous l'accorde. C'est vrai, donc on voit bien les abdominaux, mais ça j'ai toujours aimé, toujours voulu en avoir. Donc ça ne dépend que de moi. Et c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre en fait les critiques. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je vous l'accorde. Mais par contre, la méchanceté gratuite, ça non. Pas mal d'entre vous se sont lâchés sur les derniers commentaires que je n'accepte pas et que je n'accepterai plus. Clairement, vous savez que je suis vraiment quelqu'un qui adore le sport. Et vraiment, maintenant, par rapport au régime protéiné que j'ai suivi, c'est vrai que j'ai perdu du poids. Voilà, maintenant, j'aime être mince. J'adore être mince. Je m'entraîne également pour ça, pour justement être sculptée le plus possible. Donc en fait, ça ne regarde que moi. Mais ce que je ne cautionnerai plus, c'est ce genre de commentaires et de méchanceté qui n'ont absolument pas lieu d'être. Vous savez très bien que je suis en bonne santé, vous suivez mon quotidien, pour ceux qui me suivent maintenant depuis quelques temps, vous me connaissez. Donc en fait, c'est pour ça que c'est vraiment simplement pour cette raison que j'aimerais que ces commentaires cessent. Donc je vous le dis, je suis en très bonne santé, mais vraiment arrêtez cette méchanceté gratuite. Toutes les personnes, pour moi, sont belles, ont des belles formes, sont magnifiques. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi on veut à chaque fois vouloir nous rabaisser sur les réseaux. Moi, personnellement, ça ne me blesse pas. Sauf que là, maintenant, je commence vraiment à en avoir marre. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est utile de prendre les réseaux, non seulement pour rassurer ma communauté, et surtout pour que ça cesse. À en croire cette prise de parole très cash, la jeune femme semble donc être au top de sa forme. De quoi, on l'espère, rassurer ses plus grands fans.